Bonjour à toi, curieux, curieuse. Cette vidéo est importante si tu tombes sur ma chaîne. Et j'ai dit curieux, curieuse. Comment je sais que t'es un curieux ou une curieuse? Parce que c'est le lien de toutes ces vidéos. Et je pense que la plupart de ceux qui sont sur cette chaîne sont de grands curieux. En tout cas, je l'espère. Parce qu'en fait, il y a un truc. Au début, j'y connaissais pas grand-chose. En ligne éditoriale, je savais même pas qu'il fallait une histoire de ligne éditoriale. Moi, YouTube, je proposais ce qui me faisait vibrer. Et ce qui me faisait vibrer, ce qui me fait toujours vibrer, c'est le nom de la chaîne. C'est le vivant. C'est qui est vivant. Qu'est-ce qui fait que c'est vivant? Qu'est-ce qui fait palpiter la vie? Et alors, laisse-moi te dire que c'est pas une ligne éditoriale, c'est une avenue éditoriale. Une planète éditoriale. Du coup, c'est dessiné plusieurs sujets phares qui sont apparus naturellement selon mes compétences et mes élans de cœur. Et c'est pour ça qu'il faut bien que je te le dise, parce que tu risques de voir un truc, t'es intéressé, et un autre truc, t'en as rien à foutre. C'est très possible. Alors, il y a deux solutions. C'est soit tu t'abonnes pas, soit il suffit de pas cliquer. Je vais essayer de faire un peu des catégories bien définies, comme ça on sait ce qu'on va trouver. Mais le maître mot, c'est l'ouverture d'esprit. Sans ouverture d'esprit, je pense pas que ce soit très profitable. Avec, j'en doute pas. Il y a quatre grands sujets dans cette chaîne. La première, c'est la santé naturelle. La santé, donc moi j'ai été formé en naturopathie, puis en Ayurveda. Donc on parle des plantes, on parle de tous les principes naturels. Même ceux qui sont un peu démodés, même ceux qui sont pas très mainstream, même ceux qui sont pas très ragoûtants ou confortables. Mais on en parle parce que ce qui est. Hein. Nous, ce qu'on veut juste savoir, c'est ce qui marche, ce qui est. Puis après, on fait le tri. Je suis pas un docteur, c'est pas des diagnostics, c'est pas des ordonnances. Tu prends ce savoir, tu le combines, tu le soumets, tu le massacres si tu veux, mais t'en fais quelque chose. S'il y a des erreurs, on les corrige, et sinon on s'enrichit. C'est comme ça qu'on s'enrichit en fait. La deuxième, c'est l'écologie. L'écologie et un tout petit peu de permaculture, parce que ça me paraît logique, c'est... ça va dans le même mouvement. À un moment donné, il y a quelque chose que tu ressens que tu fais partie d'un collectif, d'un tout, d'une même et unique élan de vie, hein, au niveau d'une planète, au moins, et tu te dis, il faut que je me conforme à ça si je veux que les choses aillent bien. Donc on a séparé ça en santé, en spiritualité, en écologie, mais en fait, c'est toute une même ronde qui me paraît très très logique et très soudée. Donc ça m'a toujours habité, hein. Avant, c'était pas du tout à la mode. On passait pour des rigolos, voire des tocards. Maintenant, c'est très mainstream, donc ça va, c'est cool. Et enfin, celle qui peut peut-être faire le plus de séparation, parce que si t'arrives par l'écologie, par des vidéos un peu random, tu vas tomber face à d'autres vidéos qui parlent de sujets très profonds, de sagesse et de spiritualité. La spiritualité n'est pas la religion. La spiritualité, c'est un aspect de l'être humain. Et si on parle de la vie, on parle de tous les aspects de l'être humain, en tout cas ici. Parce que je me dis, quand tu t'assois et tu regardes les étoiles, ça pose question quand même. Et quand tu te dis, je suis né, je meurs, à un moment donné, ça pose question. Si tes parents, tu te dis, j'ai quand même donné la vie, ça pose question. En fait, c'est que des portes d'entrée, mais il existe des sagesses un peu partout sur la planète qui nous éclaire. Et je parle bien de sagesse, je ne parle pas de dogme. Et là encore, tu prends, tu le chèques, tu le maltraites, ce savoir, ces données, et tu en tires ce que t'en as besoin. Et si tout est acheté, jette tout. Mais explore. C'est vraiment le mot maître, explore. Ne rejette pas a priori. Et je crois que ceux qui sont ici, je l'ai remarqué au fur et à mesure du temps, sont plutôt comme ça. Et je vous remercie d'ailleurs pour vos sourires, pour vos lumières, pour vos encouragements. Le but vraiment premier, c'est la justesse. C'est compliqué la justesse. Et plus on parle de trucs, plus c'est compliqué. Et la justesse, on ne peut qu'espérer y tendre. Mais à force de s'y atteler, on s'en rapproche. Et aussi, j'oubliais, il y a une petite sous-catégorie qui va un petit peu avec la spiritualité et la santé, ça fait vraiment le pont. Je fais quelques vidéos de méditation et de relaxation. Mais pas beaucoup, j'en fais vraiment de temps en temps. Donc,
L'option, c'est t'as un panel de choses, d'idées, de concepts, de savoirs qui me paraissent rares ou intéressants, que je pose là, tu peux piocher dedans. Mais vraiment, la chose la plus importante que je souhaite à tout le monde, c'est le discernement. Que ce soit en premier lieu pour moi, mais pour tout le monde, tout ce qui passe à la télé, tous ceux qui ont du charisme, qui parlent bien, ou qui sont connus, ou riches. Discernons. Et on va s'affûter, on va polir le cristal de notre bon sens. Parce que, il y a une petite horloge. Tic, tac, tic, tac, tu l'entends? C'est le temps qui passe. Inexorablement, c'est ta vie qui s'écoule, c'est ma vie qui s'écoule. La seule question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que t'en fais? Cette chaîne, en quelque sorte, c'est ma réponse. Ça fait pas office de vérité générale, mais si ces quelques vidéos t'apportent soutien, savoir, sagesse, sourire ou réconfort, j'en serais enchanté. Si ce contenu te paraît nice, abonne-toi bien. C'est-à-dire que s'abonner, c'est clic. S'abonner bien, c'est clic plus cloche. Et un grand à bientôt.